Ragazzi, ci siamo. Me lo merito un bel regalo. Merci! Come via, come voglio venire subito a due regali. Chiaramente. Non faccio mai il ti regalo bene a noi. Soddisfazione! Enrico, bravo. Est-ce que c'est une victoire qui était attendue? È una vittoria aspettata o no? No. 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 Non mi aspettavo che il cavallo correva bene, aveva corso bene in Italia, ma di vincere no. Il s'attendait que le cheval avait bien couru, mais gagner, il pensait pas gagner quoi. Il le fait à la manière des forts, il a été tout de suite à la pointe du combat, il a placé plusieurs accélérations, il fait un truc incroyable aujourd'hui. Ouais. Ha detto che si è andato subito al combattimento. Era l'unica chance, ero rimasto di fuori e ho cercato di prendere posizione, era possibile arrivare a casa. Sì, la seule chance c'était de prendre la corde le plus vite possible e se mettre derrière, prendre le dos d'Univers Dupont. Quoi. Est-ce qu'il a douté un moment? Est-ce qu'il a pensé que Univers Dupont pouvait lui repartir devant? Quando sei uscito, pensavi di vincere o pensavi che ripartiva ancora l'Univers Dupont? No, pensavo, ho avuto la sensazione a imboccare la retta d'arrivo che insomma mi sarei avrei lottato per la vittoria, però di vincere ho visto sul palo, che poi ho vinto solo di un collo, non è che ho vinto. Il pensait qu'il avait encore du gas, mais bon, c'est seulement au poteau qu'il s'est aperçu parce qu'il gagne d'une encolure, hein, il ne gagne pas de beaucoup. Quoi. Mais bon, il pensait qu'il avait quand même pouvoir aller le chercher. Quoi, pour pouvoir aller le chercher. Est-ce que c'est une joie particulière de gagner en France? È una gioia particolare di vincere in Francia? Oh, è sempre, diciamo che la l'ippica in Francia è. È la regina dell'Europa, sì, che non è normale. Poi è un gruppo 1, certo. C'è un gruppo 1 in Francia, c'è la reine della vittoria. In Francia, c'è veramente. C'è le meilleure course, c'è in Francia. Merci. Ciao. Voilà. Merci. Ciao. Ciao. Philippe, battu au sprint, mais battu avec les honneurs. Bah, tout à fait. Je dirais que le cheval a supporté la course. Il s'est montré un petit peu trop brillant. Et donc, finalement, l'Italien m'a sollicité un relais. Et puis, j'aimais autant le passer que de rester derrière pour qu'il en laisse passer un autre et me retrouver un petit peu plus loin. Donc après, j'aurais aimé qu'il soit aussi décontracté qu'à Cagnes. Mais là, il avait un peu plus de fraîcheur, un mois et demi sans courir. Et puis voilà, donc on a fait le jeu de l'Italien qui a été plus fort que nous au sprint, malgré tout. Donc aujourd'hui, le record de l'épreuve est battu et tout. Mon cheval s'est bien comporté. Je suis très, très satisfait de sa course. J'ai peut-être pas choisi la meilleure tactique, mais je suis très content de la course de mon cheval. Tu te fais beaucoup d'autocritiques, mais bon, nous on a l'impression quand même de l'extérieur que tu gères très très bien la carrière de ton champion. Et autre chose, devant la difficulté en ce moment, c'est de la saison de monde plus l'entraînement. C'était un point essentiel pour toi aujourd'hui qu'il court bien. Bah, je dirais qu'en plus, il avait travaillé un petit peu moins fort ces derniers temps, puisque donc il faut gérer la monte et puis le travail. Donc, je ne savais pas finalement d'où j'en étais au point de vue de mon travail. Je pense qu'aujourd'hui, il a donné une très bonne valeur. Et puis, je suis très, très satisfait de cette performance-là. Pierrot, Timoko, il fait une très bonne valeur. Oui, il fait une très bonne rentrée surtout. Il fait une bonne rentrée sous plusieurs aspects. Le premier, c'est que cet hiver, il avait un problème d'allure, donc certainement une petite douleur quelque part. Et là, il était parfait d'allure, c'est-à-dire que la douleur a disparu. Il fait une bonne valeur parce que ça a été une course avec du rythme. L'année dernière, il remportait cette épreuve en 11-7 et là, il est cinquième en 11-7. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas loin de son meilleur niveau. Et surtout, c'est un cheval qui est peut-être, d'après Joss, plus performant devant. Et moi, il ne m'a pas embêté derrière. Je trouvais qu'il a été plutôt bon, sauf on sentait un cheval qui manquait de compétition. Et de ce fait, j'ai toujours été un peu pris de rythme dans le parcours. Justement, le rythme, est-ce que tu as senti que vous étiez sur les temps d'un hardcore? Oui, oui, de toute manière, moi, Timoko, il démarre naturellement, donc j'ai pas eu à forcer. Philippe Dejar, son cheval, il s'y est mis, donc je n'ai pas cherché à lui résister. Mais quand Enrico Bellet s'est vu à deux nez au vent, et il a mis une vraie accélération pour venir prendre la tête à Philippe Dejar, qui lui avait laissé filer un petit peu. Donc déjà, ils avaient pris une quinzaine de mètres sur nous. Il y a eu un premier relais. Et après, Philippe Dejar, il a laissé enrouler. Il a décidé de ne pas casser l'action de son cheval. Ce qui fait que nous, derrière, il n'y a pas eu de faux rythme. On a toujours été sur le même tempo. Et preuve en est, c'est que si vous regardez l'arrivée, les 5 premiers de l'arrivée, c'est les 5 chevaux de la corde. Tous les chevaux qui étaient dans le wagon de 2 ou ceux qui ont essayé de se rapprocher à 3 en face, il n'y en a pas un à l'arrivée. Toi, maintenant, tu es peut-être le driver à attitrer de Timoko. Tu le deviens, en tout cas, à première vue. Pas que je sache. Pas que je sache, c'était une pige.
Et merci. Belle pige. Belle pige, c'était. Moi, je suis un prestataire de service. Non, ça m'a fait très plaisir, mais il est prévu qu'il recourt à l'étranger avec Björn Goop. Et puis, s'il recourt un coup en France, son entraîneur m'a dit qu'il aimerait aussi le redriver une fois. Donc là, vis-à-vis des propriétaires et derrière Joss, ça l'arrangeait bien, je mène. Donc voilà. Donc, si il me redemande, je suis libre, mais c'est peut-être pas dans l'air du temps. Le message est passé, merci Pierrot. Christophe, il y a quand même quelques motifs de satisfaction avec Olmo Hals. Il finit bien. Bah ouais, il finit très bien. Hein. Numéro 10 de Germany, on savait qu'il fallait un peu avoir la chance. Comme il n'est pas vite, voilà. On était à deux, dommage, parce que c'était le wagon de la corde qui était le bon wagon. Et on refait 4-5 longueurs sur des chevaux comme Timoko. Donc je pense que c'est très bien. Avec ces gains qu'il a, avec le programme qu'il va avoir cet été, je pense qu'on va avoir des beaux jours avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé, Eric, en partant ? En partant, c'est vrai que derrière l'Autostar, c'est pas là qu'elle est la plus forte. Hein. La jument, à chaque fois, s'affole. C'est pas la première fois qu'elle me fait la faute. Donc, sincèrement, je pense que vraiment, départ à l'Autostar, c'est pas son vrai sport. 11-3, c'était impossible de revenir après. Ouais, bah, comme on peut voir la course, hein, les 5 premiers sont les 5 du rang de la corde. Le wagon de 2, il n'y a personne à l'arrivée. Donc, voilà, je pense que ça explique tout. Déçu ? On est toujours un peu déçu de ne pas faire l'arrivée avec de tels chevaux parce que ça fait un moment qu'elle n'a pas été aux balances, donc on est toujours déçu, c'est normal.